C'est suite à la nomination de notre frère et ami El Hadj Doudouka au poste de ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Les guides religieux de Ziguinchor, mais également des autres départements de Bignona et d'Oussouy, avons jugé nécessaire de manifester notre gratitude, notre reconnaissance au président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, pour le choix porté sur notre frère et ami El Hadj Doudouka en lui confiant la charge de ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Nous ne considérons pas cette nomination comme un honneur. Non, nous considérons cette nomination comme une responsabilité, un sacerdoce, pas pour El Hadj Doudouka seulement, mais pour nous tous. Pour nous tous. Parce que nous considérons que El Hadj Doudouka, c'est un des nôtres, un digne fils de la Casamance, qui est proche des populations, qui mène de bonnes actions à l'endroit des populations et toujours au nom de M. le Président de la République. Nous considérons que tout cela est important et tout cela doit être mis en exergue pour dire à M. le Président de la République qu'il ne s'est pas trompé sur son choix, il ne s'est pas trompé sur l'homme Doudouka, car c'est quelqu'un qui, auprès des communautés, auprès des religieux, est en train d'appliquer sa politique sociale. C'est pourquoi c'est un devoir pour nous de faire cette déclaration et remercier le président de la République pour son choix, mais également féliciter M. Doudouka pour sa nouvelle fonction, mais également prier pour lui afin que la confiance que le président de la République a eue à son égard soit couronnée de succès.